Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 9 avril, la Sainte Église célèbre Saint Liboire. Écoutons la vie de Saint Liboire, une vie pleine de sainteté. Gaulois d'origine, après la découverte du christianisme, il décida de se consacrer à la vie ecclésiale et fut ordonné prêtre. À la fois attaché au service liturgique et populaire, d'un commun accord général entre son prédécesseur, Pallas, et les fidèles, il obtint la place d'évêque du Mans en 348. Tout à la fois, il agrémenta les églises existantes et en instaura 17 nouvelles, ordonna bon nombre de ministres du culte et de diacres. Il entretient des relations avec Saint Martin de Tours, qui informait qu'il était tombé malade à un âge avancé, vint auprès de lui pour lui administrer les derniers sacrements. Son corps fut déposé dans l'église des saints apôtres, où était déjà celui de l'évêque Pallas et qui deviendra plus tard l'église Saint-Victor avant d'être détruite au XIXe siècle. Liboire est également saint patron de Paderborn, en Allemagne, où Charlemagne rencontra le pape Léon III, qui à cette occasion fonda le diocèse. En 836, des reliques de Liboire y furent apportées afin de consacrer la cathédrale. C'est alors qu'un pacte d'éternelle fraternité fut décidé par les évêques Aldric du Mans et Badurac de Paderborn, qui s'institua en jumelage qui a toujours cours. Il y a même un pèlerinage qu'organise chaque année autour des deux fêtes locales du 24 juillet pour le diocèse du Mans et du 28 juillet pour celui de Paderborn. Saint Liboire est représenté avec la mitre et la crosse épiscopale, tenant les évangiles sur lesquels sont déposés de petits cailloux. Il est vénéré comme guérisseur des malades de la pierre, en particulier à Contreville, concernant les maladies libières, les coliques néphrétiques et les problèmes prostatiques. Saint Liboire, ô mon bon Père, intercède pour que nous n'ayons ni crise ni caillou. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Liboire, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.